Devant l'écran, je suis, je me tiens. Je jette mes couronnes à tes pieds. Je me prosterne et t'adore. Nous sommes venus adorer. Nous sommes venus.
n'as pas dansé. On dirait que tu es triste dans la présence du Seigneur. Par ton chant, par tes danses, tu peux encore faire monter devant le Seigneur un parfum de bonne odeur. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, dit la parole de Dieu. Par tes danses, tu loues l'Éternel. Par tes acclamations, tu loues l'Éternel. Par tes danses, alléluia, par tes cris de joie, tu loues l'Éternel. Alors si tu es là, bien-aimé, sois dans la joie. Sois libre de glorifier ton Dieu. Sois libre de célébrer celui qui t'a donné la vie ce soir, alléluia. Nous sommes là pour lui, nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus pour celui qui nous a donné la vie. Beaucoup sont sur des lits d'hôpitaux, bien-aimés, vous êtes là. Alors acclamez, dansez pour le roi qui vous a donné cette force ce soir, alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie, les mamans? Est-ce que les femmes en mission pour Christ sont là? Est-ce qu'il y a des femmes de vision en ce lieu? Ah, je ne vous vois pas, je ne vous sens même pas dans la joie. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, hey.
Après-midi, les Codim qui ont préparé quelque chose pour nous.
pendant que les codim se préparent pour avancer, je vous invite vraiment à acclamer pour les encourager. Ces enfants, nos Josué, la relève de demain. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne sens pas les mamans de l'église ni les papas. Alléluia. Amen. Ah, mais vos enfants sont ici, vos petits-enfants. Alléluia. Amen. En tout cas, l'Écodime aussi veut louer son Dieu. L'Écodime sait que non, la femme en mission sert à Dieu vivant. Voilà pourquoi eux aussi veulent mettre une pierre dans cette œuvre ici. Amen. Oh,
chute du diable, gloire à l'éternel. Amen. Je l'ai vu en train de tomber. 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 Je l'ai vu, vu la chute du diable. Encore plus fort pour ces futurs combattants de demain. Alléluia. Ah, même les enfants ont compris que l'Éternel résidait dans la louange et l'adoration de son peuple. Acclamons pour les enfants. Alléluia, les mamans. Acclamons pour encourager nos enfants, nos petits-enfants, pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, nous invitons aussi les ados qui ont préparé deux chants pour nous.
tu mérites. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Les papas, nous avons encore un invité spécial ce soir, un chantre de l'Éternel, notre frère Franck Moulaja, qui va encore nous conduire pendant un bref moment d'adoration. Nous allons inviter notre frère et notre maman Bibiche, nous acclamons pour l'Éternel, notre frère qui est auteur, compositeur et aussi écrivain. Nous élevons Dieu pour les multiples dons qu'il a mis en lui. Et nous voulons partager cela encore ce soir pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, nous sommes richement bénis ce soir. Que l'Éternel soit loué, glorifié, amen. Amen, les femmes en mission pour Christ, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes fatigués? Alors nous continuons encore dans l'adoration. Alléluia, notre Dieu aime cela.
Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus, le roi des rois? Est-ce que les mamans peuvent pousser des cris de joie à l'honneur de ce Jésus? Non, j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de Jésus. Il est digne de toute adoration. Vous savez, si nous sommes là ce soir, c'est pour lui. C'est pour lui et nous voulons dédier ce moment à sa gloire. Nous oublier pour le contempler. C'est cela l'adoration. L'adoration, c'est s'oublier et regarder à Jésus. L'adoration, c'est oublier sa beauté et regarder à Jésus. L'adoration, c'est oublier sa richesse et regarder à Jésus. L'adoration, c'est oublier ses titres et regarder à Jésus. Oh, les mamans, nous voulons que le seul qui mérite la gloire ce soir, que ce ne soit pas un homme, que ce ne soit pas une femme, mais que le seul qui est digne de louange et d'adoration ce soir, que ce soit Jésus de Nazareth. Il est celui qui est monté à la croix pour nous. Alléluia. J'aimerais qu'on chante ce chant à Lingala qui dit « Matondo na yonkolo ». Ça veut juste dire merci, merci à toi Seigneur, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as sauvés. Ce soir, au Pessibiso, je maïa pour Botana et Maïo. Aussi baroté, Maïo. Aussi baroté, Maïo. Biso, Tobia. Éternité en éternité, tu es Dieu et nous sommes venus t'adorer. Nos yeux se lèvent devant toi, Seigneur. Toi, le maître de temps et de circonstances, tu as permis ces moments, Seigneur, dans ta présence. Et nous voulons profiter au maximum de la présence que tu libères au milieu de nous. Quelle grâce, quelle grâce! Tu as dit dans ta parole. Là où deux ou trois seront réunis à cause de mon nom, je serai au milieu d'eux. Quel bonheur que de passer du temps dans ta présence. Nous voulons vraiment et réellement nous retrouver autour de ta présence. Merci d'accomplir ta promesse. La promesse d'être là pour nous. La promesse d'être là pour nous.
la promesse d'être là pour nous. Agrée ce chant, agrée nos paroles, agrée nos cœurs. Tout ce que nous faisons en ce lieu n'a qu'un seul objectif, te donner gloire, te donner gloire. Si tu peux accepter, si tu peux accepter cette offrande, Seigneur. Alléluia, 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 oh alléluia, oh alléluia, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. 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 Zambouya tombola ka, Zambouya atombola. Levons nos mains dans sa présence, alléluia. Totomboli ma boko, Totomboli ma boko, Biso, Tosemboli, Misoli, Olo, Ayeoyo, Ayeoyo, Alléluia, Mouya, Akembo, reçois l'adoration, reçois. Oh,
Jésus, parle à Jésus. Sa présence est au milieu de nous. Sa présence est forte au milieu de nous. Il a parlé, il le réalise. Il a promis, il le réalise. Il est promis, il le réalise. D'être là au milieu de ceux qui l'adorent. D'être là au milieu de ceux qui l'élèvent. D'être là au milieu de ceux qui se réunissent autour de son nom. Autour de son nom. Et ce soir, c'est autour de son nom. Et ce soir, c'est autour de son nom. Il a promis et il réalise. Il a promis et il réalise. Goûtez à ta joie, nous voulons ce soir. Goûtez à ta présence, nous voulons ce soir. Sentir ta magnificence, nous voulons ce soir. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Yes. Nous t'adorons ce soir. Yes, yes, yes. Ah, ah. Oh Jésus. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour t'adorer. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons,
L'adoration, c'est s'oublier. Oublie les voisins de gauche et de droite. Regarde au Créateur. Oublie-toi, regarde à Jésus qui est là. Qui est là, qui est là, qui nous sourit par sa douce présence. Par sa douce présence. Alléluia. Pénètre son sanctuaire. Du parvis au lieu saint jusqu'au saint de saint. Pour le voir tel qu'il est, pour l'adorer, l'aimer, c'est ce que nous sommes venus faire, passer du temps dans sa présence, lui dire ce qu'il est pour nous. Alléluia, 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 oh alléluia, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu ce soir, quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu.
Des adoratrices de Jésus, une soirée des adorateurs de Jésus, ceux qui aiment passer du temps avec Jésus, non pas juste pour une jouissance personnelle, mais vraiment du temps avec Jésus. Alléluia, alléluia. Proclamé, rêve, oh, yo te revois, je te le
tu es digne d'être magnifié. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne ce soir. Nous disons que tu es digne ce soir, nous disons que tu es digne ce soir en ce lieu. Nous disons que tu es digne. Alléluia, alléluia. C'est merveilleux. Chaque de robot, chéri, abassana, baba. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, souffle l'esprit de Dieu, comme une force nouvelle. Assemblée réunie en prière, souffle l'Esprit de Dieu, répands ton onction et répands ta lumière, souffle l'Esprit de Dieu, chantant Saint-Esprit. Lieu, Saint-Esprit, conduit toutes choses, révélateur Saint-Esprit, une nouvelle vie, qui nous conduit vers le ciel, souffle l'Esprit de Dieu, souffle par. Tu vas enfanter. Voilà pourquoi quand on va appeler, je
pour Dieu. Pendant que maman est en train d'avancer, tu vas acclamer. Tu vas pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis bien gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta présence glorieuse en ce lieu. Merci pour tout ce que tu nous as dit depuis le début de cette convention. Nous ne pouvons que être reconnaissantes pour la plateforme que tu nous donnes. Nous ne pouvons qu'être reconnaissantes pour ton serviteur que tu as inspiré pour mettre en place ce cadre. Nous ne pouvons que être reconnaissantes pour ton esprit qui se meut en ce lieu. C'est pourquoi ce soir, nous nous disposons une fois de plus pour t'écouter. Nous voulons humblement t'écouter. Nous voulons te dire, nous te disons tout simplement, parle et que ton Esprit Saint se meuve dans les cœurs, dans les vies, afin que tout ce qui est à arracher soit arraché, mais que ce qui est à bâtir dans nos vies soit bâti. Sois loué, Père, sois béni. Saint-Esprit, je m'efface totalement. Que tu sois simplement entendu et que tout ce qui va être fait glorifie simplement Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux vraiment acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Amen, 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 amen. Vous pouvez, acclamons le Seigneur pour le groupe musical. Oui, vous pouvez aller, vous pouvez disposer. Amen, amen. Salue quelqu'un à côté de toi. Salue quelqu'un à côté de toi. Et au moment où tu la salues, il faudra la bénir. Bénis une personne qui est là ce soir. Bénis une princesse qui est là ce soir. Gloire à Dieu. Asseyons-nous, asseyons-nous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais avant toute chose, une fois de plus, bénir le Seigneur pour le cadre que nous avons, cette plateforme merveilleuse que nous avons pour partager la parole de Dieu et pour communier ensemble. Et je voudrais une fois de plus reconnaître l'homme de Dieu, le pasteur Pajot, qui vraiment nous a reconnus, qui nous a honorés pour nous laisser sa chair. Amen. Une fois de plus, j'apprécie le fait qu'il croit au ministère de la femme. Et je lui dis merci. Merci pour ces différents regroupements de femmes. Parce que, comme je l'ai dit hier, dès que les femmes se retrouvent, le ciel s'ouvre forcément. Et quelque chose commence à bouger pour les femmes. C'est pourquoi je crois fermement que d'ici la fin, d'ici le dimanche, quelque chose va se passer pour toi. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Dis à ta voisine, moi j'y crois. Elle ne croit pas, hein? Elle ne croit pas. Retourne-toi, dis à quelqu'un d'autre, moi j'y crois. Si tu ne vois pas de conviction là-bas aussi, retourne-toi vers quelqu'un d'autre, dis j'y crois, j'y crois. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et merci maman Nathalie, maman Bijou. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Et toutes les merveilleuses femmes en mission pour Christ, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous de véritables femmes en mission pour Christ. Que Dieu fasse de vous des femmes qui marchent par l'esprit et non par la chair. Que vous puissiez fonctionner à partir du règne de l'esprit. Que vos pas déversent l'abondance partout où vous allez passer. Et que vous marquez cette assemblée-là par vos marques de femmes en mission. Ce matin, nous avons eu un merveilleux atelier, je dirais. Et c'est dommage que certains n'étaient pas là. Hein. Moi, je crois que Dieu nous a bénis avec cet atelier. Et la grâce de Dieu nous a accompagnés. Nous avons bien partagé et c'était vraiment bien. Gloire à Dieu. Et avant donc de poursuivre, je voudrais et présenter rapidement certains ouvrages qui sont là. Il y a certains ouvrages qui sont
écrit par moi-même. Quand je regarde, je ne sais pas si tout est là, mais en tout cas, ce qui est là, je les présente. Le Saint-Esprit, notre Paraclétos. Ça, c'est le livre que moi-même, j'aime beaucoup. Et donc, ça, c'est toute mon expérience, souvent, l'expérience que je fais avec le Saint-Esprit. Et je le recommande, parce que je comprends personnellement que le Saint-Esprit a conduit à l'écriture de ce livre. Il y a l'harmonie familiale. Et puis, quel genre de femme suis-je dans ma maison? Ce sont des livres qui vont certainement aider les bien-aimées sœurs qui sont des femmes en mission pour Christ. Et le livre que j'ai écrit récemment, c'est « Femme, tu as une destinée ». Chacune de nous a une destinée. Il faudra simplement le prendre. Tu vas découvrir plus que ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que vous voyez, quand nous sommes de passage ainsi, on veut tout dire, mais on ne peut pas. Et si Dieu a inspiré l'écriture de ces livres, c'est pour que nous puissions capitaliser le maximum de messages que Dieu donne par son esprit et que après les conférences, après les conventions, qu'on puisse s'asseoir et les reprendre certains enseignements qui sont dans ces livres-là beaucoup plus en détail. Donc, il y a des livres du papa Karambiri qui vous salue. Je vous apporte ce soir encore ces salutations. La présence de Dieu, c'est un livre qu'il ne faut pas manquer. La présence de Dieu. Et donc, il faut le prendre. Réussir et régner dans le royaume des cieux. Choisi et établi pour porter du fruit qui demeure. La foi persévérante. Et l'université des tueurs de géants. Tous les jeunes doivent prendre ça. Et entrer dans votre bénédiction. Donc, ce sont des livres qui sont là. On en a amené un certain nombre. On ne pouvait pas transporter plus que ce qu'on a amené. Mais moi, je vous demande en tout cas humblement de les prendre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est juste une question de mettre à la disposition du peuple de Dieu des enseignements qui sont capitalisés en tout cas dans ces livres. Et que Dieu vous bénisse. Parce que je suis sûr que vous allez les prendre et ça va vous faire du bien. Amen, amen, amen. Qui est content d'être là ce soir? Est-ce que depuis qu'on a commencé, à travers tout ce qui se fait, hein, les enseignements, les cantiques, les danses, les regards, les sourires, est-ce que tu es béni? Moi, quand je vous vois, je vois la gloire de Dieu. Et je sais que le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Et ce soir encore, il va faire une autre touche. Amen. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci, merci pour votre présence, merci pour votre confiance, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, nous avons parlé de... nous avons recommandé, en fait, à travers l'enseignement d'hier, de rentrer dans la révélation de notre identité et aussi de nos rôles dans l'Église, dans la famille et dans la société. Et nous sommes partis de depuis Genèse, le livre de Genèse, pour voir comment Dieu lui-même a traité la question de la femme. La femme, c'est, je dirais, un être exceptionnel. Si vous remarquez, tout ce que Dieu créait, chaque fois qu'il créait, il disait, qu'est-ce qui était écrit? Il dit que c'était bon. Tout ce qu'il faisait, c'était bon. Je dirais que c'était les virgules. Mais quand la femme est venue sur la scène, il a dit, c'était très bon. Donc, c'était le point final. Je croyais que tu allais acclamer. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort dans la femme. Dieu lui-même a dit, dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et hier, nous avons décortiqué le terme aide. Ézer, dans les termes en hébreu. Et nous avons bien insisté sur le sens de Ézer, qui était une sécurité, un bouclier, une protection pour l'homme. Et
aussi, nous avons insisté sur le fait que le simple fait de voir comment Dieu a prélevé la côte au niveau la côte chez l'homme, et il est dit, il a refermé la chair. Et nous avons dit hier, cette côte-là, quand nous regardons bien, il n'a pas remplacé cette côte-là. Il a façonné la femme avec cette côte-là. Il a façonné la femme avec cette côte. Et nous avons insisté sur le fait hier que, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que ce qui manque chez l'homme-là, puisque la côte-là n'a pas été remplacée, donc ce qui manque chez l'homme-là, c'est ce qu'on retrouve chez la femme. Et si nous retrouvons cela chez la femme, ça veut dire que l'homme et la femme doivent être des partenaires stratégiques pour fonctionner côte à côte, pour fonctionner ensemble et accomplir les desseins de Dieu sur cette terre. Et Dieu a permis que la femme vienne sur la scène parce qu'il a regardé, il a vu que seul, il allait être difficile pour Adam d'accomplir les desseins que Dieu lui-même avait attribués à Adam. Il fallait que l'aide soit là. Il fallait que Ézer soit là. Il fallait que cette protection soit là. Il fallait que ce bouclier soit là. Et donc, ici, Ézer, quand nous regardons, surtout dans l'explication qui est donnée dans les termes en hébreu, nous voyons que c'est quelqu'un qui peut même avoir de l'ascendance sur celui qu'il aide pour pouvoir mieux le soutenir dans tout ce qu'il a à faire. Et c'est pourquoi nous, les femmes, nous devons comprendre que nous avons un rôle déterminant à jouer auprès donc des hommes auprès de qui nous sommes placés. Donc, ce qui manque chez ton mari, chez ton Adam, on doit trouver cela chez Ève. Parce que la côte, là, a été prélevée. Et la côte, quand Dieu prélevait la côte, il était déjà en train de prophétiser sur la femme. Il était déjà en train de dire que tu seras la protection. Parce que les côtes embrassent les parties vitaux de l'homme, les parties sensibles de l'homme, le cœur, le poumon, le pancréas. Tout cela se trouve entouré, protégé par les côtes. Et donc, prélever une côte, Dieu était déjà en train de prophétiser pour dire que la femme sera la protection de l'homme, pour dire que la femme sera le soutien de l'homme, pour dire que la femme sera une sécurité, un bouclier pour l'homme. Et cette aide-là, elle-même, elle doit comprendre son rôle. Et nous avons aussi vu comment Satan est rentré sur la scène, dans Genèse 3. Quand il est rentré sur la scène, parce que si Satan a pu s'en prendre au règne de Dieu, lui qui était Lucifer, s'il a pu s'en prendre au règne de Dieu, au ciel, ce n'est pas au règne de l'homme qui ne va pas s'en prendre. Et donc, sachant que Dieu avait donné le mandat à l'homme d'étendre, de faire l'expansion de son royaume sur cette terre, donc Satan va s'en prendre à l'homme. Mais pour s'en prendre à l'homme, vous savez, n'importe quel président sur cette terre-là, sa force, c'est sa sécurité. Ceux qui constituent sa sécurité, constituent la force du président. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Et donc, quand on arrive à toucher la sécurité, on a touché en ce moment le président. Et ici, nous avons dit aussi que quand nous regardons, Dieu a prélevé la côte et il a façonné la femme. Je ne dirais pas formé, parce que dans les termes hébreux, quand nous voyons former, ça c'était attribué à l'homme. Parce que là, on donne un morphos. Mais quand il s'agit de la femme dans les termes hébreux, c'est façonné. Façonné, ça veut tout dire. Ça veut dire que Dieu y a mis tout son cœur. Il a pris son temps pour façonner la femme. Et dans toute sa sensibilité, nous voyons comment Dieu a mis le cœur pour la façonner. Pour façonner la femme, pour faire d'elle un être qui est très proche de son cœur. Et c'est pourquoi le cœur de Dieu bat pour la femme. Et donc, quand cela s'est passé, plus tard, Adam va dire, quand il va voir Ève, parce que Dieu a amené Ève auprès d'Adam, qui était en train de se réveiller de son sommeil profond. Et Adam qui se réveille de son sommeil profond, il voit un être splendide devant lui. Et il s'écrie, il s'extasie. Il dit, os de mes os, la chair de ma chair. L'os de mes os, il a reconnu que dans cette femme-là, il y a quelque chose de lui.
Il dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais dans ces deux expressions, il était en train de dire quelque chose d'extrêmement profond. Il dit, os de mes os, ça veut dire la partie essentielle de mon ossature. Et quand vous prenez la colonne vertébrale, quand vous prenez l'épine dorsale, c'est une partie extrêmement sensible de l'homme. Et quand on touche, même par inadvertance, l'épine dorsale, l'homme ne peut plus marcher. La médecine est là pour nous le dire. Et c'est qui c'est, et il a dit ça. Donc ça veut dire que l'os de mes os, c'est la partie essentielle de mon ossature, la partie sensible de mon ossature. Et cette partie-là, il ne fallait pas la toucher. Il dit aussi la chair de ma chair. Il était en train de faire référence à la couverture, la protection, la sécurité, l'assurance. Donc quand il dit l'os de mes os, la chair de ma chair, il était en train, il dit, et toi on t'appellera femme. En hébreu, il dit, on t'appellera Isha. Parce qu'en hébreu, l'homme, c'est Ish. Et il dit, il regarde, donc il a vu tout ce qui était en lui, et il regarde. Il dit, il y a quelque chose d'autre en toi que moi je n'ai pas. Il est extasié, il est abasourdi. Et il voit tout ce qu'il y a en lui, chez cette femme-là, plus une autre chose qu'il regarde, qu'il n'arrive pas à déterminer. Il dit, si moi je m'appelle Ish, toi tu vas t'appeler Isha. Le Isha là, ça veut dire qu'il y a cette chose-là que je ne peux même pas maîtriser, que je ne peux même pas contrôler. Et c'est ça qui fait le mystère autour de la femme. C'est ça qui fait que les hommes vont dire qu'on ne peut pas tout comprendre chez une femme, oui ou non. On va dire que la femme, elle est assez complexe. Parce qu'il y a cette chose-là que Adam a exprimée ici. Et il dit, si je suis Isha, toi tu seras Isha. Parce qu'il y a cette chose mystérieuse sur toi. Et cette chose mystérieuse-là que Adam a discernée, c'est ce qui va terrasser l'ennemi à la fin des temps. C'est ce qui fait qu'on échappe souvent à l'homme. Et c'est pourquoi c'est cet aspect-là aussi qu'il faut savoir gérer. Si l'Esprit de Dieu se saisit de cet aspect, tu es une femme dangereuse pour le monde des ténèbres. Mais aussi, si c'est l'autre esprit-là qui s'empare de ça, tu peux faire des dégâts. C'est pourquoi une femme, elle est capable de toutes sortes de bien, comme elle est capable de toutes sortes de mal. Et c'est pourquoi nous avons dit, attention, nous sommes conscients qu'il y a quelque chose de fort en nous. Et en tant que fille de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en nous. Parce que après ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, quand Dieu, à partir de Genèse 3, a commencé à donner la série de malédictions après la chute, il a donné la part de tous les acteurs. Mais au niveau de la femme, et au niveau du serpent plutôt, il dit dans Genèse 3:15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Elle dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Ça c'est une prophétie qui a déclenché un combat qui fait rage jusqu'aujourd'hui entre le serpent et la femme. Et il dit, sa postérité va écraser ta tête et toi, tu lui blesseras le talon. La femme, donc, est l'instrument par lequel la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la parole de Dieu qui dit. Il dit, mais toi, tu blesseras son talon. Mais maintenant, Dieu était déjà en train de prophétiser sur celui-là qui allait venir par la femme, par la postérité de la femme. Généralement, dans la parole de Dieu, c'est le régime patriarcal qui est souvent, que nous voyons souvent, quand on parle des grandes familles. La famille, la maison d'un tel, la maison d'un tel. Mais pourquoi ici on parle de la postérité de la femme? Dieu était déjà en train de parler de Marie. Il était déjà en train de parler de ce grand événement par lequel le Sauveur allait naître, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a écrasé la tête du serpent. Et il dit, tu lui blesseras le talon. Donc, quand nous regardons dans la parole, Jésus a été blessé pour nous. Il a été blessé pour nous.
Mais maintenant, au même moment, toi qui es l'instrument par lequel cette postérité vient, Satan ne te fera pas de cadeau. Il te blessera aussi le talon. Et c'est pourquoi je disais hier, toute femme doit s'emparer de cette prophétie-là. Parce que ici, il y a deux aspects. Quand il dit la postérité de la femme écrasera la tête, donc la femme elle-même écrasera ta tête, mais aussi toi tu lui blesseras le talon. Hier j'ai dit, Satan lui il a bien compris sa part de prophétie. Et c'est pourquoi chaque fois il va chercher à blesser le talon des femmes. Il va chercher à faire du mal à la femme. Et c'est pourquoi dans tout le monde entier, les cris que vous allez entendre le plus, ce sont les cris des femmes. J'insiste sur ça. Ce sont les femmes qui sont blessées. Ce sont les femmes qui sont meurtries. Les cris silencieux aussi qu'on entend, parce que ce sont des meurtrissures intérieures, ce sont toujours les femmes. Et donc, on parle de toutes sortes de blessures. Blessures émotionnelles, les blessures physiques, toutes sortes de blessures. Mais Lui, il accomplit sa part de prophétie. Mais est-ce que toi, tu as compris que Dieu ici, là, t'a donné plus que Satan? Toi, tu peux te lever chaque jour, écraser sa tête. Parce que tu as une autorité. Et quand il est dit, celle-ci écrasera la tête fait référence à l'autorité. Donc la femme peut anéantir l'autorité de Satan pourvu qu'elle connaisse qui elle est, pourvu qu'elle sache qu'elle n'est pas n'importe qui, pourvu qu'elle sache qu'il y a une prophétie qui est déjà en sa faveur. Si lui veut blesser le talon, toi tu as la capacité de te lever et d'écraser sa tête. Mais comment tu vas écraser sa tête? Tu vas écraser sa tête en étant consciente de ton identité, en sachant, en ayant la révélation et en rentrant dans cette révélation. Et quand tu rentres dans cette révélation, tu n'as plus peur. Et tu ne te laisses pas, tu ne seras pas en train toujours de jouer au culte de la victime pour dire pourquoi tous les malheurs viennent chez moi. Il y a des femmes qui disent, mais j'ai l'impression que tous les problèmes de la terre ne connaissent que mon adresse. Parce que tout vient. C'est-à-dire les problèmes viennent de tous côtés. Mais tu ne vas plus dire ça. Parce que ici, tu vas être conscient d'une chose, qu'il y a un combat qui fait rage entre le serpent et la femme. Depuis cette prophétie, il y a un combat qui fait rage entre le serpent et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme. Et quand nous comprenons cela, nous n'allons plus être en train de pleurnicher, nous n'allons plus être en train de jouer au culte de la victime pour dire, mais Seigneur, pourquoi? Nos pourquoi fatiguent le Seigneur? Parce qu'il nous a déjà donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Il suffit juste de comprendre qui nous sommes. Il suffit juste d'avoir la révélation. Il suffit juste de savoir comment toi, et il t'a donné tout ce qu'il faut pour écraser la tête du serpent. Quand tu te lèves le matin, quand tu te lèves en femme éveillée, en femme investie de l'Esprit de Dieu, quand tu te lèves le matin, par ta prière, tu arrêtes les actions de l'ennemi sur ta vie. Par tes jeûnes, tu arrêtes l'action de l'ennemi sur toi, sur ta famille et tout. Quand tu te lèves, quand tu regardes les choses, tu peux, dans la méditation, comprendre tout ce que Satan est en train de faire, non seulement contre toi-même, mais contre ta famille. Mais en ce moment-là, tu dois être éveillé. Tu dois connaître ton identité. Tu dois rentrer dans cette identité-là et t'armer de courage pour ne pas être en train de pleurnicher. Parce que souvent, ce qui nous caractérise aussi, nous les femmes, c'est que devant tous les petits problèmes, on capitule. Et il y a cette sensibilité-là qui fait que souvent, on commence à se poser des questions, on commence à se demander pourquoi tout ça doit m'arriver, est-ce que je suis seul sur cette terre-là, pourquoi tous ces problèmes, et en ce moment, on joue au culte de la victime. Si tu pouvais comprendre que tes pleurs font la joie de Satan, tu allais te lever, rentrer dans la révélation et l'arrêter. Et quand tu l'arrêtes au nom de Jésus, il n'y a rien à faire. Et il faut être sûr de toi-même. Et hier, nous avons progressé en montrant que Jésus, qui est la postérité de la femme, qui a écrasé la tête du serpent et qui l'a livré en spectacle, on l'a vu dans le livre de Colossiens. Donc, à partir du moment où il est venu accomplir ce rôle-là, nous rentrons dans cette nouvelle classe des fils de Dieu. Et en ce moment, l'héritage en Christ-là, ça appartient aussi bien à l'homme que à la femme. C'est pourquoi Galates 3, 26-28 dit « Désormais, il n'y a plus ni homme ni femme.
Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ce n'est plus en ce moment une question d'homme ou de femme. Il dit que nous sommes tous fils en Christ Jésus. Et en ce moment, nous sommes investis de la vie de l'Esprit. Et en ce moment-là, nous sommes bénéficiaires des dons du Saint-Esprit. Et nous devons comprendre qu'il y a une mission spécifique que Dieu nous donne. Parce que la rédemption est aussi bien pour l'homme que la femme. La lettre de mission est pour aussi bien pour l'homme que la femme. Et nous devons, et le Saint-Esprit qui est dans l'homme n'est pas plus grand que le Saint-Esprit qui est dans la femme. Parce qu'en ce moment, la Galates 3, 26 à 28 nous dit clairement qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni femme, il n'y a plus ni homme. Tous nous sommes fils en Christ Jésus. Et à partir de ce moment-là, nous devons être conscients d'une chose, nous sommes en Christ. Et Colossiens 2, 6 dit, maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui, marchez en Christ. Marchez, soyez conscients. Conscients de votre identité en Christ. Puisque 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc si tu connais, tu sais cela, et tu sais que tu as reçu le Seigneur, Colossiens 2, 6 dit, marchez en lui. Marchez avec la conscience que vous êtes en Christ. Et Colossiens 1, 27 dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'assurance de notre victoire. Et 1 Jean 5, 4, 5 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et en ce moment-là, chacun de nous ici, je crois, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes là, sinon nous n'allons pas, notre présence n'est pas justifiée si nous ne croyons pas en cela. Donc, si maintenant nous avons toute cette assurance-là, nous devons comprendre que Satan ne va pas nous faire de cadeaux. C'est-à-dire, par rapport à la femme, tout le traumatisme, tous les filets d'oppression qu'il avait mis en place, les filets d'oppression, les pensées captives, tout ce qu'il a mis en place pour se venger, et que nous voyons de façon insidieuse dans les coutumes, dans les traditions, partout, et un peu partout, vous allez écouter toujours ce langage-là, les gens disent, la femme, elle ne peut pas faire certaines choses. Et même l'église de Christ est tombée dans ce piège. Donc, à force aussi pour les femmes d'entendre ces choses-là, nous finissons par croire que c'est ce qui est normal. Alors que Dieu nous a donné une nouvelle identité, et cette identité-là, c'est une identité en Christ, et qui nous donne tout le privilège. Et il a dit que tout est à nous, 1 Corinthiens 3, 21, tout est à nous. Et nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Et donc, en ce moment-là, nous devons exercer notre autorité. Nous avons le nom de Jésus, nous avons le Saint-Esprit, et nous avons le sang de Jésus. Nous devons être conscients de ces choses-là et exercer notre domination et notre autorité en Christ. Et quand c'est ainsi, nous n'allons plus être en train de pleurnicher. Et quand tu marches en Christ, tu dois être au-dessus de certaines situations. Tu ne vas plus être en train de parler de certaines mesquineries. Tu vas sortir de certaines routines. Tu vas sortir de certaines situations où les gens ne savent pas ce qu'ils font, où il y a trop de bruit. Tu sors de tout cela et tu marches à partir du règne de l'Esprit. Tu agis à partir du règne de l'Esprit et tu es sûr de toi. Quand tu vois l'ennemi se lever contre toi, tu peux t'arrêter et dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte mon chemin. Et il va quitter. Donc quand nous sommes sûrs de cela, nous avons une conscience claire de notre identité. Et cette conscience claire-là, nous devons la manifester dans plusieurs domaines. Au niveau de l'Église, nous en avons parlé hier, nous devons jouer notre rôle. Jouer notre rôle, c'est marcher dans le couloir que Dieu t'a donné. C'est fonctionner dans ce couloir-là et de façon précise. Et savoir, avoir la conscience que Dieu t'appelle à faire des choses précises dans ton assemblée. Et en ce moment, nous ne serons pas en train de nous télescoper. Parce que l'Esprit de Dieu va te parler. Il va te dire exactement ce qu'il t'appelle à faire dans une assemblée. Il va te dire exactement quelle est la mission qu'il te donne. Puisque nous parlons de femmes en mission pour Christ. Dans cette mission-là, chacun a sa partition à jouer. Et il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut à un moment précis que tu fasses dans l'assemblée. Et tu dois strictement marcher dans le couloir de ta destinée et faire agir de façon à ce que ta touche unique là, puisque hier je l'ai dit,
nous sommes uniques. Il n'y a personne sur cette terre qui nous ressemble. Regardez les empreintes des mains, de nos mains. Les empreintes sont là pour dire, pour nous prouver que nous sommes uniques. Il n'y a personne sur les 7 milliards d'hommes sur cette terre. Personne ne te ressemble. Et tu ne ressembles à personne. Donc quand tu ne ressembles à personne, il y a un appel unique aussi sur ta vie. Il y a un couloir unique qui t'est destiné. Et aussi, il y a une fonction unique que tu dois accomplir. Une fonction qui ne ressemble à la fonction de personne d'autre. Et quand tu as une fonction unique, tu as aussi une onction unique. C'est pourquoi il ne faut pas se jalouser. Parce que chacun a une part à jouer. Et chacun a sa touche à jouer. Et c'est pourquoi dans l'église de Christ, nous devons arrêter les querelles de leadership. Chacun a son couloir, chacun a son chemin. Et chacun doit accomplir ce que Dieu dit d'accomplir. Mais en mettant tout ensemble, nous allons faire un très beau tableau de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et sans que nous n'ayons à nous télescoper. Donc si les querelles cessent au niveau de nos assemblées, au niveau des dénominations, comme nous l'avons dit hier aussi, toutes ces petites querelles dénominationnelles doivent tomber. Les barrières dénominationnelles n'ont pas leur raison d'être aujourd'hui. Parce que hier, nous l'avons dit, il faut qu'on discerne les temps et les circonstances. 1 Chronique 12, 32 dit que les fils d'Issacar savaient discerner les temps et les circonstances. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils discernaient les temps et les circonstances. Et c'est pourquoi nous devons discerner aussi les temps et les circonstances. Nous devons comprendre que nous sommes à une saison qui est pour la femme. Parce que je l'ai dit hier, si les églises locales arrivent à se souder, si les barrières dénominationnelles tombent, maintenant ce qui reste de précieux que l'église de Christ doit regarder, c'est rétablir l'identité et les rôles de la femme dans l'église, dans la famille et dans la société. Et quand cela est fait, nous sommes en train de nous préparer à rentrer dans ce temps glorieux de l'église de Christ qu'on n'avait jamais expérimenté avant. Et Dieu nous attend sur ce terrain. Et donc en ce moment-là, il faut qu'on sache une chose, c'est une saison pour la femme. Nous sommes à un tournant déterminant pour la femme. Et c'est pourquoi la parole qui dit dans le psaume 68, verset 12, que le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Tu fais partie de cette armée. Je fais partie de cette armée. Et il n'y a pas ici, là, et nous n'avons pas à tergiverser. Dieu nous attend sur son terrain. Et il veut que nous soyons des femmes en mission, des messagères de bonnes nouvelles. Parce que nous avons un rôle déterminant à jouer dans la chute définitive de l'ennemi. Donc, en ce moment, nous devons sortir de certaines situations qui nous bloquent. Les petites mésententes, les petites querelles, les petites mesquineries de femmes. Parler beaucoup là, qui nous caractérise souvent, nous devons arrêter ça et nous mettre au sérieux. Sortir de la religiosité, sortir du faire semblant. On fait semblant alors qu'on n'est pas. Il faut sortir de tout cela. Il faut sortir de la lassitude. Il faut se lever de notre position où nous sommes assises. Il faut se lever parce que dès lors que notre identité, nous connaissons notre identité, il n'y a plus de raison que nous soyons assises. Nous devons nous lever et nous lever de la bonne façon. Et c'est pourquoi hier nous avons dit dans Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé, car la lumière de Dieu, la gloire de Dieu brille sur ta vie. Et si c'est ainsi, donc tu dois aller sur le terrain pour faire ce que Dieu te demande de faire. Et imaginez, la forte majorité des femmes dans toutes les assemblées, hier je l'ai dit, l'armée de Christ, c'est la seule armée que nous pouvons connaître sur cette terre-là, qui va sur le terrain de bataille avec un tiers de ses membres. Un tiers de ses membres, c'est-à-dire les hommes. Mais les femmes, on dit aux femmes, asseyez-vous. C'est l'église de Christ ainsi. Parce que je l'ai dit hier, ce qui se passe ici, ce n'est pas dans toutes les assemblées que nous voyons ça. Ce qui se passe, une plateforme pour les femmes, ce n'est pas dans toutes les assemblées que nous voyons ça. Et nous connaissons des assemblées où on interdit même à la femme de se tenir à la chair. Et j'ai vu dans un pays, l'année dernière, la femme d'un pasteur, pas des moindres, qui disait que même pour donner certains communiqués pour les femmes, on lui interdisait. À plus forte raison, avoir un cadre comme celui-ci. C'est pourquoi, tout en reconnaissant ce que Dieu fait, à travers donc de tels cadres, nous devons vraiment être déterminés à jouer un rôle. Nous sommes dans la saison pour les femmes. Et Dieu nous attend.
Et si cette forte majorité est sur le terrain, vous imaginez ce que c'est? Cette forte majorité. Depuis la chambre haute, les femmes étaient plus nombreuses. Et dans toutes les assemblées du monde, les femmes sont toujours plus nombreuses dans les assemblées. Mais cette forte majorité, on leur dit « asseyez-vous » parce qu'on ne vous reconnaît pas. Et on torpille souvent certaines parties de l'écriture en faveur de ce que nous pensons. Et donc, sur cette base-là, on dit aux femmes « vous n'avez rien à faire ». Parce que Paul a dit, tel a dit, et en ce moment-là, on tue par un silencieux le travail des femmes dans les assemblées. Et du coup, souvent dans certaines assemblées, quand certaines femmes commencent à être éclairées spirituellement, tout de suite on dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas l'esprit de Jézabel ici? Donc là, il faut qu'on soit vigilant. C'est la saison pour les femmes. C'est un tournant déterminant pour les femmes. Et le portail céleste est ouvert en ce lieu. Les anges de l'Éternel montent et descendent en ce lieu. Et quelque chose est en train de se passer par rapport à l'église de Christ. Et les femmes ne peuvent pas continuer à être en reste. Imaginez que certains dons soient manifestés au niveau des femmes. Ou certains ministères au niveau des femmes dans une assemblée. Et on dit à ces femmes-là, elles n'ont rien à dire, elles n'ont rien à faire. L'église va manquer d'une portion de dons. L'église va manquer d'une portion de ministère simplement parce que c'est tenu par des femmes. Et dans plusieurs assemblées, on dit aux femmes de se taire parce qu'elles ne peuvent rien et elles ne peuvent même pas parler. Alors que Dieu a choisi dans leur assemblée là, certaines femmes à qui il a donné certains ministères. Et certains dons sont manifestés par des femmes. Mais comme on leur dit, vous n'avez rien à dire, toute l'assemblée, toute l'église manque cette portion de dons et cette portion de ministère. Simplement parce que c'est des femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ici? Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que si on doit aussi être éveillé, on doit comprendre quelles sont les stratégies de Satan. Souvent, par rapport à la femme, Satan peut s'y prendre plus tôt pour même brouiller les pistes, pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tu ne puisses plus croire en toi-même. Et quand vous regardez, même là, c'est-à-dire ce que je dis, aujourd'hui, quand vous regardez de part et d'autre, quand vous prenez la vie de certaines femmes qui doivent jouer un rôle dans le royaume des cieux, vous allez voir que leur vie est émaillée de problèmes. Et à telle enseigne qu'elles vont commencer à se demander, est-ce que je peux croire en moi-même? Est-ce que moi, là, je peux faire quelque chose? Et la vie de plusieurs femmes est émaillée de certaines difficultés, des difficultés qui oppressent leur vie, des difficultés qui les empêchent d'avancer. Et Satan, dans sa ruse, fait en sorte que quand les difficultés s'abattent sur ta vie comme ça, tu commences à douter de toi-même. Tu commences à te demander, mais pourquoi ça m'arrive ainsi? Et puis, la culpabilité commence à s'abattre sur ta vie. Et du coup, la femme commence à se dire, est-ce que moi là, je peux servir le Seigneur? Est-ce que je peux être ce que peut-être Dieu m'a dit par un témoignage intérieur, que je peux accomplir des choses pour lui? Et bien que le témoignage intérieur est clair, souvent certaines femmes, oppressées par les difficultés, commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est vrai que l'Esprit de Dieu m'a parlé? Est-ce que vraiment, moi, je peux faire quelque chose avec tous ces problèmes par lesquels je passe? Et comme les problèmes aussi souvent sont là, comme pour les humilier, pour les amener dans le rejet, pour les blesser, pour les meurtrir, et pour faire en sorte qu'elles soient d'état, hors d'état de nuire à l'ennemi, parce que l'ennemi fait ça pour justement faire en sorte qu'elles ne croient plus en elles-mêmes. Et comme elles sont dans ces oppressions-là, elles commencent à se dire, je ne peux plus. Et je ne peux rien faire parce que moi là, avec tous ces problèmes-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, et quand doucement, l'ennemi arrive à oppresser leurs pensées, à leur faire accepter ce qu'ils mettent insidieusement dans leur cœur, qu'à cause de tous ces problèmes par lesquels tu passes là, tu ne peux pas accomplir une destinée. Quand il arrive insidieusement et subtilement à mettre dans leur cœur qu'à cause des difficultés par lesquelles elles passent, elles ne peuvent pas accomplir certaines choses que Dieu leur demande,
elles commencent maintenant à s'asseoir doucement. Un moment, elles sont totalement assises. Elles sont assises. Elles sont dans une position de prostration. Elles sont dans une position où, même pour les faire lever, elles vont dire, mais je ne suis pas capable. Et ça, c'est une ruse de l'ennemi. C'est une ruse de l'ennemi. Et je dirais, regardez quand Jésus dit, dans Luc 22, verset 31, et il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il vous a réclamé. Et Dieu seul sait que Satan nous réclame, surtout nous les femmes. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais moi, j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Afin que ta foi, il parle s'adresser à Pierre, il dit, que afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras, lui, second, dit quand tu seras converti. Mais dans les versions, certaines versions, il dit, quand tu sortiras de l'épreuve. Parce que tu n'as pas de choix que de sortir de ces épreuves-là. Viens et affermis tes frères. Et quand tu sortiras de tout cela, tu seras alors qualifié pour exhorter d'autres frères. Je suis en train de dire que quelle que soit la situation, Jésus te dit ici la révélation, c'est que les difficultés dans lesquelles tu te trouves, tu ne peux pas rester dans ces difficultés. Ces difficultés-là, tu vas sortir de ces difficultés. Parce qu'il dit que mais quand tu sortiras, et dans certaines versions, en anglais, il dit, comme tu seras victorieux. Parce que tu n'as pas le choix que d'être victorieux. Parce que fortement, tu sortiras de ces épreuves. Et quand tu sortiras de ces épreuves, viens et affermis tes frères. Ce qui veut dire, en ce moment, alors, tu seras qualifié pour affermir d'autres frères. Tu seras qualifié parce que tu es passé par ces difficultés. Parce que tu es passé par un type de difficulté. Et comme tu en as été victorieux, maintenant tu es qualifié pour dire à ton frère ou à ta sœur qui passera par ces mêmes difficultés que toi, tu es passé par plus que cela et Dieu t'a relevé et Dieu t'a affermi et Dieu t'a qualifié et t'a donné l'onction dans ce type de difficulté. Et c'est là où tu peux affermir tes frères. Si tu n'es pas passé par des épreuves, tu n'as pas de témoignage pour affermir un frère. Non. L'épreuve sera là pour te qualifier. L'épreuve sera là pour te donner des galons. L'épreuve sera là pour faire de toi un témoin. Un témoin fidèle et efficace. L'épreuve sera là pour dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es passé par le feu ne t'a pas brûlé. Tu es passé par l'eau ne t'a pas envahi. Tu es passé par les difficultés et les difficultés n'ont pas eu le dessus sur toi. Et tu es là en ce moment, tu es un poids lourd dans le monde spirituel. Et en ce moment-là, toi tu ne fonctionnes plus par la chair, tu fonctionnes par l'esprit. Tu fonctionnes à partir du règne de l'esprit. Parce que, il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et Jésus était en train de dire à Pierre, oui, moi j'ai prié pour toi. Et la révélation ici, c'est que dans tes difficultés-là, assis à la droite du Père, il est en train de prier pour toi. Et le Saint-Esprit est avec toi. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et ta foi ne va pas défaillir. Je déclare cela ce soir. Ta foi ne va pas défaillir. Tu seras victorieux. Tu seras vainqueur. Et tu sortiras de ces épreuves. Et quand tu sortiras de ces épreuves, tu seras qualifié pour affermir des sœurs, pour affermir des frères, et tu seras qualifié dans le type de problème par lequel tu es passé. Dieu te donne des remèdes, Dieu te donne la force, Dieu te donne l'argument biblique, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que tu assaignes un frère devant ses problèmes, au moment où tout le monde le haït, au moment où il est rejeté, au moment où il ne sait pas quoi faire, au moment où il est dans des difficultés, et il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. En ce moment-là, toi, tu as la force et tu as l'argument biblique et tu as l'assurance, tu as la sécurité. Tu t'assois, tu lui dis, mon frère, ma soeur, cette difficulté-là ne va pas t'emporter. Parce que moi, je suis passé par là et j'en suis sorti dans la victoire. Et en ce moment-là, tu as fermé des frères. Et en ce moment, tu es qualifié. Et quand tu marches, c'est un poids lourd spirituel qui marche. Parce que ce n'est pas par ta force.
Ce n'est pas par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, quelque chose commence à se passer dans ta vie. Et en ce moment-là, les voies s'ouvrent pour toi. Parce que tu dois accomplir ta destinée. Tu dois accomplir ce que Dieu a mis sur ta route. Tu dois accomplir ce que Dieu a prédestiné. Avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu a prédestiné quelque chose que toi seul tu dois accomplir. Et personne d'autre ne doit accomplir cela à ta place. Les difficultés ne doivent pas t'arrêter. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ici? Je suis en train de dire à quelqu'un, ce par quoi tu passes, je ne sais pas. Je ne sais même pas dans quelle situation tu es venu ici ce soir. Je ne sais pas quels sont tes défis, quels sont tes problèmes. Mais je suis en train de te dire que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je suis en train de te dire, comme Néhémie qui dit, mon ami, ne te réjouis pas à mon sujet. Parce que même si je suis tombé, je me relèverai. Je me relèverai. Je ne me relèverai pas par ma propre force. Non, non, non. Je me relèverai par la puissance du Saint-Esprit. Je me relèverai parce que l'ennemi n'aura pas de dessus sur moi. Je me relèverai parce que l'ennemi ne peut pas prévaloir sur ma vie. L'ennemi ne peut pas prévaloir sur ma vie. Et dans toutes ces situations, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes triomphateurs. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2,14, « Grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours, toujours triompher. » Toujours, pas quelquefois. Donc tu triomphes. Dans cette situation-là, tu vas triompher. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais tu triompheras. Par la puissance du Saint-Esprit, tu triompheras. Tu triompheras. Tu triompheras. Tu triompheras. Tu triompheras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ton témoignage va te suivre. Ton témoignage va te suivre. Ton témoignage va te suivre. Regardez un peu la vie d'une femme comme Joyce Meyer. Quand toi tu dis que tu as des problèmes, est-ce que tu connais, tu sais les problèmes par lesquels cette femme est passée? Non, tu ne sais pas. C'est une femme qui a été meurtrie dans tous les sens. Abusée par son propre père. Pendant des années, son père couchait avec elle. Et sa mère savait. Mais quand elle vient voir ce qui se passe, elle fait semblant de ne pas voir. Parce que l'homme était tellement violent que si elle s'amusait, il pouvait finir avec elle. Et elle sort, elle prend le panier, elle fait comme si elle partait à l'épicerie. Mais elle voit son propre mari coucher avec leur fille. Et quand il faisait cela, après ça, il donnait des coups à cette femme. Un temps, elle a dit, mais à quoi me sert de vivre? Et un moment, elle a dit, je quitte la maison. Elle dit, je préfère être abusée par n'importe quel autre homme que mon propre père. Et là, elle est partie tomber comme de Caribe à Sila. Elle est partie tomber sur un homme qui faisait, je ne sais pas, égal ou pire. Elle était battue. Elle a eu un ou deux enfants avec cet homme. Mais ce qui est là, elle n'a pas connu le bonheur qu'elle voulait. Et là encore, elle était obligée de quitter, de divorcer avec cet homme. Et en divorçant, elle ne savait pas où rentrer. Il y a 2 ans de cela, j'étais à Paris. Elle avait une activité à Paris et j'avais été invité parmi un groupe de femmes. Elle expliquait ça. Ça dit, quand elle l'explique, tu pleures à sa place. Et elle ne savait pas que quelque chose, Dieu était en train d'écrire droit sur une ligne courbe. Et Dieu est en train d'écrire droit sur une ligne courbe avec ta vie. Dieu est en train d'écrire droit avec ce problème par lequel tu passes. Dieu est en train d'écrire droit avec ce problème. Un problème où tu ne comprends rien. Tu regardes, tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais c'est le Dieu est en train d'écrire droit sur des lignes courbes, te menant où il veut, par des sentiers tortueux. Et Dieu était en train d'écrire l'histoire de cette femme comme ça. Meurtrie dans tous les sens. Ne croyant plus en elle-même. Ne sachant même pas que quelque chose peut se passer dans sa vie. Et c'est en ce moment-là, quand elle a rencontré son mari actuel, elle était agressive. Elle était agressive. Elle ne savait pas si encore avec un homme, elle pouvait croire quelque chose. Et c'est ainsi qu'en se mariant à cet homme-là, aujourd'hui, d'abord, là aussi, elle va avoir d'autres problèmes. Parce que quand elle a commencé à enseigner, on lui a dit, c'était les églises traditionnelles. On a dit, depuis quand on a vu une femme enseigner?
là encore, de l'église où elle était, elle a été chassée. Regardez, c'est comme si tous les problèmes ne connaissaient que elle. Elle ne croyait plus en elle-même. Mais dans tout cela, il y avait une semence pour son ministère actuel. Il y avait une semence. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y avait une semence pour son ministère. Aujourd'hui, elle est en train de couvrir tout le monde entier avec son ministère. Récemment à Paris, elle a dit qu'elle était en ce moment à 5 milliards plutôt d'hommes sur la terre qu'elle couvrait par son ministère. Et elle a dit que dans les quelques années qui viennent, elle va couvrir tout le monde entier avec son ministère. Mais qui aurait cru? C'est pour dire, plus tu vois les problèmes se multiplier dans ta vie, plus ta destinée est élevée. Ah! Je parle à quelqu'un ce soir ici. Hey, je parle à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit est en train de parler à ta vie. Plus tes problèmes sont nombreux, plus ta destinée est grande. Plus tes problèmes sont nombreux, plus Dieu est en train de t'élever. Plus tes problèmes sont nombreux, plus les chemins pour ta destinée s'ouvrent. Et c'est pourquoi tu vas impacter, tu vas impacter, tu vas impacter. Tu vas être une véritable femme à mission. Tu vas réjouir le cœur de ton Père. Tu vas réjouir le cœur de Christ. Parce que les difficultés ne peuvent pas prévaloir sur ta vie. Non, 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 non. Si les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur la vie de Esther, et que Esther est devenue un modèle de courage, si les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur Ruth, cette Moabite de qui on ne pouvait rien tirer, on ne pouvait pas parier encore sur la vie de Ruth. Les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur elle. Elle est devenue un modèle d'amitié et de loyauté. Si les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur Rahab, qui était une prostituée de première classe. C'est-à-dire que c'était comme du diamant dans de la boue. Et personne ne pouvait parier sur sa vie. Elle a été un modèle de foi. Si personne ne pouvait parier que Anne, à son âge, et j'ai fait des recherches, j'ai vu que Anne avait 53 ans quand elle a eu Samuel. 53 ans. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu es en train de te plaindre. Si les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur Anne, et que Anne, dans la persévérance, elle a été un modèle de persévérance, je suis en train de te dire ce soir, et surtout, les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur la Samaritaine. Oh, la Samaritaine! Les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur elle. Regardez cette femme-là. 5 fois divorcée. Et le mari avec lequel elle était, l'homme avec lequel, je ne dis pas son mari, l'homme avec lequel elle était, ce n'était pas son mari. C'était encore une autre insécurité. 5 fois divorcée. 5 fois divorcée. Imaginez toutes les ex-belles familles là, contre elle. Imaginez tout le rejet. Imaginez tout ce que les gens peuvent dire. Imaginez même les femmes. Parce que quand c'est ainsi, c'est nous les femmes qui sommes les premières à papoter. Regardez tout ce que les femmes pouvaient dire. Regardez tout ce qui pouvait être dit autour d'elles. Et c'est ce qui explique qu'à la 6e heure, généralement les femmes, c'est soit le matin ou le soir qu'elles vont au puits. Et dans Genèse 24, quand on parle de l'histoire de Rebecca, la parole de Dieu dit que c'est le soir qu'elle était sortie pour aller puiser de l'eau au moment où toutes les femmes vont au puits. Mais pourquoi cette femme-là, ce n'est ni le matin, ce n'est ni le soir, mais à la 6e heure, au moment où il y a le chaud soleil, c'est en ce moment que cette femme-là va raser les murs parce qu'elle ne croyait plus en elle, parce qu'elle était émotionnellement blessée. Elle était vivante, mais émotionnellement morte. Elle n'avait plus, elle ne voyait plus de valeur dans sa vie. Les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur cette femme. Mais ce jour-là, elle qui a quitté Sichar, Sichar qui est la ville de l'ivresse, Sichar veut dire ivresse. Si elle a quitté la ville de l'ivresse et que c'est elle qui partait au puits de Jacob, Jacob veut dire tromperie, escroquerie, elle quitte la ville de l'ivresse, elle va s'abreuver, elle va puiser dans le puits de la tromperie. Comment la vie de cette femme-là pouvait être réglée? Comment elle pouvait avoir une vie stable? Dites-moi. Et chaque jour, elle quitte la ville de l'ivresse, elle va puiser dans le puits de la tromperie. Chaque jour. Mais à quel moment
au moment où elle ne rencontre personne sur son chemin. Parce qu'elle ne croit pas en elle-même. Parce qu'elle se sous-estime. Parce qu'elle est meurtrie. Parce qu'elle est vivante, mais émotionnellement meurtrie et morte. Parce qu'elle ne pouvait même plus croire que quelque chose de bon peut arriver. Elle était bruyante en elle. Et c'est pourquoi ce jour-là, quand elle partait au puits, elle ne savait pas que Dieu avait décidé de faire un retournement de sa situation ce jour-là. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'il y avait une bonne surprise pour elle. Comme en venant ici, il y a une onction qui se dégage sur ce message-là. Tu ne savais pas que Dieu allait se lever pour toi. Tu ne savais pas que Jésus-Christ t'attendait en ce lieu. Jésus-Christ, il était assis au bord du puits. Et son père lui a dit, aujourd'hui là, c'est la délivrance d'une femme. Puisque dans tous les cas, tu dois passer par ce chemin. Il y a une femme de valeur, une femme que je vais utiliser, une femme qui va accomplir une œuvre merveilleuse, une femme qui est de l'or, mais qui vivait comme dans de la boue, une femme qui doit être extraite de cette boue-là. Parce que de la poussière, Dieu relève l'indigent, il relève le pauvre. Du fumier, il sort l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Aujourd'hui, nous parlons encore de cette Samaritaine, oui ou non? Nous parlons d'elle, parce que Jésus était sur la route. Il était en train de l'attendre, parce que quelque chose devait se passer ce jour-là. Parce que ce jour-là, le ciel avait commencé à parler d'une femme. Ce jour-là, le ciel était en train de dire, la Samarie doit être délivrée. La Samarie doit connaître le Messie. Mais comment la Samarie va connaître le Messie? Puisqu'on ne pouvait même pas croire aux disciples. Rappelez-vous, dans les évangiles, il est dit, Jésus devait aller, quand il devait aller monter à Jérusalem, il devait passer par un bourg de la Samarie. Et ses disciples l'ont devancé pour demander un logement pour lui. Mais quand on leur a refusé ce logement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tellement fâchés. Ils étaient tellement fâchés qu'ils ont dit, mais eux, ils vont appeler le feu sur eux. Et parmi ses disciples-là, il y avait Jean, l'apôtre de l'amour. J'ai dit, hey Jean, toi tu es l'apôtre de l'amour. Et toi tu veux appeler le feu sur ces gens-là. Ça veut dire que dans ces gens qui est l'apôtre de l'amour, dans son cœur, il a pu réagir ainsi contre les Samaritains. Qu'en est-il donc pour les autres? Dieu ne pouvait pas compter sur les disciples pour le salut de la Samarie. Ils ne pouvaient pas. Parce que eux, ils étaient encore dans la chair. Parce que eux, ils étaient encore dans les rancœurs. Parce que eux, ils étaient encore dans les mesquineries humaines. Mais, et le ciel a dit, pourtant, on n'a pas le choix. Hein? La Samarie doit connaître le Messie. Mais par qui la Samarie va connaître le Messie? Et Dieu regarde partout. Ses projecteurs passent partout. Ils regardent partout. Et les anges disent, Papa bon Dieu, comment tu vas faire? Regarde les cœurs de tes disciples autour de Jésus. Comment la Samarie va connaître le Messie? Et Dieu a dit aux anges, ne vous en faites pas. Il y a un instrument dont la vie est pour le moment déchiquetée. Un instrument qui ne croit même pas en elle-même. Un instrument qui pleure dans son cœur. Un instrument qui a le cœur bruyant. Parce qu'elle est passée par plusieurs situations. Elle ne croit même pas en elle-même. Mais si nous libérons cet instrument-là, la Samarie va connaître le Messie. Et les projecteurs tournent. Et entre-temps, les projecteurs vont s'arrêter sur cette femme à la vie déchiquetée. Et les anges vont dire à Papa bon Dieu, « Hey, est-ce que tu as bien vu la vie de cette fille-là? Regarde tout ce qu'on dit d'elle. Regarde elle-même. Elle a connu 5 divorces, 5 maris. Et puis regarde, elle vit avec quelqu'un. Mais elle n'est pas sainte. Elle n'est pas sainte. Parce que pour aller faire cette mission-là, il faut un souverain sacrificateur. Il faut un pasteur qui a la vie réglée. Et quand il marche, la sainteté sort partout. Et le Seigneur, Dieu, Papa bon Dieu a dit, ah là 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 là, hey,
Papa, mon Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ce que vous pensez, c'est pas ce que moi je pense. Et aujourd'hui, la libération d'une femme va ouvrir la voie du salut à la Samarie. Et les anges vont dire, hey, tu as bien pensé, tu as bien réfléchi. Et papa, mon Dieu dit, je sais ce que je fais. Et je suis souverain. Je fais ce que je fais au moment où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Ah, tu es dans cette situation ce soir. Le Seigneur est en train de te dire que tu n'es pas ici en vain. Le Seigneur est en train de te dire, ne crois pas que ta vie est déchiquetée. Le Seigneur est en train de te dire, quelque chose de bon doit sortir de ta vie. Et voici cette Samaritaine-là. Les projecteurs s'arrêtent. Et Dieu dit, c'est elle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est elle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et je vais l'extraire de cette boue. Je vais l'extraire de ce fumier. Parce que c'est du diamant. Et quand je vais l'extraire, vous allez voir ce qui va se faire. Parce que cette Samaritaine, écoutez, elle avait certaines valeurs qui étaient étouffées dans ses problèmes. C'est comme toi. Il y a certaines valeurs en toi que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Ah! Il y a certaines qualités en toi. Les hommes ne les voient pas, mais Dieu voit. Dieu sait de quoi tu es capable. Et c'est pourquoi, regardez, Dieu dit, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. C'est elle, par elle, que la Samarie va être délivrée. Mais regardez, les problèmes n'ont pas prévalu sur sa vie. Et voilà comment elle va arriver. Et regardez, quand tu vois dans les évangiles, quand Jésus a commencé à lui parler, le divin stratège, quand Jésus a commencé, il dit, mais donne-moi à boire. Il dit, mais comment toi, un juif, tu peux me demander à moi, une samaritaine? Et c'est sûr que Jésus a dit, mais ce n'est pas arrivé à tout ça. Je te demande simplement à boire. Et pour que la femme se rende compte plus... Au début, elle a dû dire, mais comment toi, monsieur, comment toi, un juif, tu peux me demander à moi, une samaritaine, de te donner à boire? À cause de la bagarre qu'il y a entre les samaritains et les juifs. Mais regardez ce qui va se passer. Au début, elle était bruyante. Parce que certaines personnes sont bruyantes, mais à cause de ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et c'est pourquoi on juge très facilement. Souvent, nous sommes rapides dans les jugements. Et nous ne savons pas quels sont les problèmes de la personne. Ici, là, elle était bruyante. Mais est-ce que ça a empêché qu'elle soit délivrée? Non. Et Jésus avait tout prédestiné. Et donc, de fil en aiguille, quand Jésus parlait de l'eau vive, elle a fini par comprendre. Elle parle du naturel, Jésus parle du surnaturel, du spirituel. Et donc, finalement, elle commence à dire Seigneur. Ah, quand il dit Seigneur, ça veut dire que le voile est tombé quelque part. Elle commence à le découvrir. Et plus Jésus lui parlait, elle parlait, mais plus Jésus parlait, plus la délivrance se passait. C'est pourquoi ce soir, beaucoup d'entre vous sont en train d'être délivrés au nom de Jésus. La délivrance est tombée, le manteau qui vous tenait captif est brisé ce soir au nom de Jésus. Après, quand elle a reconnu le Messie, elle a reconnu le Messie. Ses yeux se sont ouverts. Son entendement s'est ouvert. Elle va reconnaître le Messie. Et dès qu'elle a reconnu le Messie, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va déposer sa cruche. Elle dépose sa cruche où? Au pied de Jésus. Et cette cruche-là, qu'elle tient chaque jour pour aller au puits de la tromperie, dans cette cruche-là, il y avait sa vie blessée, sa vie meurtrie. C'était sa vie qu'elle transportait. C'était sa vie qu'elle transportait. Et elle arrive, quand tout était clair pour elle, il est dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, où est-ce qu'elle va laisser sa cruche? Au pied de Jésus. C'est pourquoi la cruche qui porte tes blessures, la cruche qui porte tes problèmes, dépose-la simplement au pied de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et pour déposer cette cruche-là, il faut un acte d'humilité, un acte de reconnaissance, une allégeance. Et c'est ce qu'elle a fait.
en déposant cette cruche-là, au même moment, Jésus a vu, toute la délivrance est faite. Mais pour se relever, Jésus va la revêtir d'un manteau d'évangéliste. Elle s'est relevée avec ce manteau. Quand elle s'est relevée avec ce manteau, elle a couru au village. Et puis, elle n'est pas partie courbée. Elle est venue au puits courbé avec cette cruche-là qui portait tous ses malheurs. Mais maintenant qu'elle est délivrée, et avec ce manteau nouveau, un manteau d'évangéliste, elle se relève de là, ouinte. Elle est sortie de l'opprobre. Maintenant, elle a reçu une onction d'évangéliste. Elle se relève, elle marche maintenant la tête haute. Je suis en train de proclamer pour quelqu'un ce soir qu'à partir de ce soir-là, ta tête doit se relever. Ta tête doit se relever au nom de Jésus. Ta tête est relevée au nom de Jésus. Et c'est là qu'elle se relève, elle court au village. Quand elle va au village, écoutez-moi bien, écoutez. Est-ce que si quelque chose ne s'était pas passé dans la vie de cette femme-là, qui allait croire en elle? Elle va dire, venez. Les gens allaient dire, c'est pas cette voleuse de mari, n'est-ce pas? Les gens allaient dire, mais cette femme à la vie déchiquetée, c'est elle qui nous parle. Elle n'allait même pas avoir ce courage de leur parler. Mais il y a eu une onction sur sa vie. Le manteau d'opprobre est parti. Un nouveau manteau l'a revêtu. Un manteau d'onction. Un manteau qui fait qu'elle peut parler d'évangéliste. Elle dit, venez voir. Cet homme a dit tout sur ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Et écoutez, Jésus a fait une confidence à cette femme qu'il n'avait jamais dit auparavant à quelqu'un de façon claire. C'est à cette femme qu'il a dit pour la première fois, je suis vraiment le Messie. Regardez bien dans les évangiles. Regardez quelle valeur cette femme a eue aux yeux de Dieu. Regarde quelle valeur tu as aux yeux de Dieu. Jésus va dire à cette femme, je suis le Messie. Il n'avait pas dit ça avant. Regardez tout ce qui descend sur cette femme. Elle ne pouvait pas ne pas être délivrée. Et elle court. Quand elle dit aux gens, venez, et tout le monde sort maintenant, on court derrière cette femme. Elle est partie au puits courbé, elle est revenue la tête redressée. Et ce soir, ta tête va se redresser au nom de Jésus. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Une onction s'abat sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Quelque chose de bon commence à t'arriver dans ta vie. Tu vas sortir de cette conférence-là, tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même, je déclare ça ce soir. Que l'onction du Saint-Esprit va agir dans ta vie. Les chaînes des ténèbres se brisent sur ta vie au nom de Jésus. Et à partir de ce soir, un regard nouveau, c'est ce qui va te caractériser. Un manteau nouveau, c'est ce qui va te caractériser. On t'avait appelé la vieille fille ou la vieille femme. À partir de cette convention, tu revêts un manteau de jeune marié au nom de Jésus. Ce que l'ennemi avait grignoté sur ta vie, Dieu te fait récupérer tout cela au multiple au nom de Jésus. Et je déclare sur la vie d'une femme ce soir que si les difficultés n'ont pas pu prévaloir sur la vie de cette Samaritaine, ces difficultés ne peuvent pas prévaloir sur ta vie. Et si tu es à cette convention-là pour dire que comme tu connais désormais ton identité, tu sais déjà quels sont tes rôles, ta mission de femme en mission, ton titre de femme en mission pour Christ, tu vas l'accomplir avec une onction extraordinaire. Et quelque chose va se passer partout où tu vas passer. On va te voir avec un air nouveau au nom de Jésus. Tu es arrivé ici redressé, courbé. Tu ressortiras d'ici redressé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus l'a fait avec cette femme-là. Cette femme dans la synagogue. Il arrive, il voit cette femme, cette fille d'Abraham, qui était courbée depuis plusieurs années. Et il regarde la femme et dit, non, la fille d'Abraham, tu ne peux pas être courbée. Elle a été redressée. Tu seras redressé ce soir. Et la parole te redresse ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Est-ce que tu crois vraiment à ce que nous sommes en train de dire ce soir? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce soir? Quelque chose se passe pour quelqu'un ce soir ici. Vous savez, il y a un nouveau mandat de l'esprit que Dieu a décidé de déverser sur les femmes. Ça ne dépend même pas que tu le veuilles ou non.
Même si tu ne le veux pas, le Saint-Esprit va te rattraper. Et quand il va te rattraper, il va t'utiliser comme lui il veut. Pas comme toi tu veux, mais comme lui il veut. Et donc en ce moment-là, soyons prêts à rentrer dans ce nouveau mandat de l'Esprit. Soyons prêts à mettre le pas dans ce que Dieu a décidé et qui est en train de se passer. Parce que ce temps glorieux dans lequel l'Église de Christ va passer, ça ne va pas se passer sans les femmes. Et les femmes seront en première ligne. Parce que Dieu a décidé cela. C'est pas, c'est-à-dire rien ne pourra arrêter cela. C'est pourquoi continuons à avoir cette révélation, cette vision, de faire en sorte que même les plus jeunes qui sont autour de nous, faisons en sorte qu'elles se lèvent et que main dans la main, nous puissions terrasser le plan de l'ennemi et annuler son plan au nom de Jésus. Ce soir, est-ce que tu es contente encore d'être ici? Tu es contente d'être ici? Est-ce que tu peux te tenir debout? Vous savez, je suis embêté. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Ce n'était pas mon message ce soir. Mais je suis contente. Ce n'est pas mon message. Tu n'es pas mon message. Mon message est là. Mon message est là. Si vous prenez, je n'ai même pas dit un mot de mon message. Donc, je fais comme Papa Karambiri. Après 1h30 de message, il dit que je suis à mon introduction. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Mais le Seigneur voulait encourager une femme ce soir. Le Seigneur veut dire à une femme ce soir, tu as de la valeur à ses yeux. Ne te laisse pas prendre par le piège de l'ennemi. Les difficultés ne peuvent pas prévaloir sur ta vie. Non, 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 non. Je refuse. Voilà. Les difficultés ne peuvent pas prévaloir sur ta vie. Vous savez? N'accepte pas, n'accepte pas. Ce que Satan veut te faire voir, n'accepte pas. Refuse cela. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Je veux encourager une femme ce soir ici. Vous me voyez là. Si les difficultés pouvaient tuer une personne, j'étais morte il y a longtemps. J'en ai vu de toutes les couleurs. Et j'ai été à des positions dans certains pays où certaines difficultés à cause de mon engagement pour Christ. C'est pourquoi quand vous dites femme en mission pour Christ, il faut comprendre de quoi vous parlez. Ce n'est pas femme en mission à l'eau de rose. Hein. Certaines difficultés peuvent se passer sur vos chemins. Mais il faut comprendre que c'est ça aussi la mission pour Christ. Ça ne se passera pas sans difficulté. Ça ne se passera pas sans difficulté. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Jean 16, 33, il a dit, vous aurez. Ça fait partie des promesses aussi. Si tu es en mission pour Christ, vous aurez des difficultés, des tribulations. Mais la bonne nouvelle, il dit, mais prenez courage. Prenez courage. Alléluia. Car j'ai vaincu le monde. Et si lui, il a vaincu le monde, toi aussi, tu dois vaincre le monde. Il a vaincu le monde pour te donner cette autorité de vaincre le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Mais dans toutes les difficultés par lesquelles je suis passé, je me suis toujours tenu. C'est-à-dire, je m'arrête, je regarde. Souvent, tu ne sais pas par où tu vas passer pour sortir de ces difficultés. Mais le Seigneur a toujours frayé un chemin. Au moment où même à des endroits, tout un pays peut se lever contre moi à cause de mon engagement parce que je suis femme en mission pour Christ. Dans ces difficultés-là, il y a eu des moments où je me suis demandé est-ce que demain je peux vivre? Parce que tout était là contre. Mais le Saint-Esprit a été là pour me soutenir, pour me faire aller de victoire en victoire, de succès en succès. Et j'ai compris que
aucune difficulté ne peut prévaloir sur la vie d'un enfant de Dieu. Si je devais mourir, j'étais morte il y a longtemps. Je sais de quoi je parle. On n'a pas le temps de rentrer dans ça. Mais j'ai vu le Seigneur à l'œuvre. Surtout quand il s'agit d'une femme qui est en mission pour Christ. Les anges se mobilisent autour d'elle. Et quelque chose, le ciel se mobilise pour les femmes qui sont en mission pour Christ. Le ciel se mobilise. Les anges se mobilisent. Et en ce moment-là, je peux vous garantir une chose. N'ayez pas peur. Nous sommes ensemble pour terrasser ce que l'ennemi a mis devant. Parce que nous devons jouer notre partition. Et si nous devons jouer notre partition, ne craignons pas les difficultés. Les difficultés peuvent venir. Mais il dit quoi? Lui, il a vaincu le monde. Et dans toutes ces difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. Et sois sûr d'une chose. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi et avec toi et que tu sois vaincu par une difficulté. Non. Relevons la tête. Sachons une chose. Le Seigneur est avec les femmes. Sachons une chose. Quand les femmes se lèvent, quelque chose commence à se passer. Et quand les femmes se lèvent, le monde spirituel commence à trembler. Quand les femmes se lèvent, Papa bon Dieu, il secoue la tête. Parce qu'il sait que quelque chose de bon va se lever pour elle. Femme, tu es délivrée de tes difficultés. Tu es affranchie de tes difficultés. Les forteresses de l'ennemi ne peuvent plus prévaloir sur ta vie. Les chaînes des ténèbres ne peuvent plus prévaloir sur ta vie. Tu es un instrument de taille pour ta famille. Le Seigneur t'a mandaté pour être l'instrument de victoire qui va amener chaque membre de ta famille dans son règne. Et tu es mandaté pour cela. Femme, le Seigneur te tient responsable pour la vie même de ta famille. Le Seigneur te tient responsable pour la vie de l'église de Christ. Tu es responsable. Pourquoi Dieu va... C'est-à-dire, il n'a pas choisi un autre canal pour faire venir son fils sur cette terre. Il t'a choisi pour être le canal par lequel il a fait venir. Regarde la valeur. Dieu était en train de te parler ainsi pour dire que le cycle de malédiction était terminé. Et aujourd'hui, par une femme, Dieu est sorti de la terre, mais par une femme, Dieu est revenu sur cette terre. Sache que tu as de la valeur et quelque chose est sur ta vie. Sache que tu as de la valeur et n'écoute pas la voix de l'ennemi. Quand tu te lèves, vois que du bon. Même quand les circonstances sont contraires, laisse tes pensées aller dans du positif. Laisse tes pensées accepter ce que Dieu te dit dans sa parole. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire jour après jour. Ne sors pas de ta maison si tu ne rentres pas dans le lieu secret pour communier avec le Saint-Esprit. Et quelque chose va commencer à prendre place dans ta vie. Je peux te garantir que tu n'es pas venu ici en vain. Tu n'es pas venu dans cette convention en vain. Tu vas ressortir de cette convention avec une onction. Tu vas ressortir de cette convention avec un revêtement nouveau. Tu vas sortir de cette convention avec une assurance nouvelle, avec une sécurité qui n'est pas charnelle ni humaine. Ton homme intérieur va être bâti. Oui, tu es rentré dans la convention peut-être meurtri, mais tu vas ressortir totalement guéri au nom de Jésus. Par l'œuvre du Saint-Esprit seul. Commence à rendre grâce à Dieu, commence à rendre grâce à Dieu. Remercie le Seigneur ce soir. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je croyais que j'allais t'entendre parler mieux que ça. Oh, tu es affranchi. Femme, tu es affranchi. Tu es délivré. Tu es libéré. Tu as de la valeur. Remercie le Seigneur.
Oh, affirme ta libération ce soir. Un vent nouveau se lève pour les femmes. Un vent nouveau se lève pour la femme. Oh, Sois dans la joie. Oh, élève ta voix. Parle au Seigneur ce soir. Remercie-le. Si tu as reçu une parole, remercie-le. Le Seigneur veut restaurer la vie d'une femme ce soir. Le Seigneur va rénover la vie d'une femme ce soir. Robobobos, rababash, ramokotoko, lobroko, rababash. Le Seigneur veut réveiller certains dons dans des femmes, au niveau de certaines femmes ce soir. Certains dons qui sommeillaient en toi. Tu ne dois pas ressortir d'ici sans que le Saint-Esprit ne te touche. Tu vas lever ta main et tu commences à parler. Ceux qui parlent en langue, parlez en langue. Parlons en langue. Kobra shandarabs korakataka shero abate korababa ribra saira bakashe tokondo. Oh Saint-Esprit, manifeste. Oh brobobobo sori askanda. Lobra shata karabakati kendo kor. Aba baba sakara sakarabakati kendo. Lobra shata baba baba baba. Baba reba seiro baba. Baba baba sori askendo. Lobra serias. Raba baba. Recevez. Lobra shata karabakati kendo kor. Lobra sori. Raya bato, lobra seria skendo rababa, lebro storia skanda. Recevez maintenant cet attouchement du Saint-Esprit. Recevez cet attouchement. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie encore après cette bonne parole? Alléluia. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Je vais gérer. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, alléluia, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, alléluia, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Je vais gérer. Mon lolo. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu.
Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps. Ah, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, alléluia. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Ah, alléluia. Le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Jéhovah Jireh. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange. Alléluia. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Alléluia. Le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. Ah, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es papa, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Je vais gérer, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. El Shaddai, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le Tout-Puissant, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Toyembeli Yo Yahweh. Mama Yahweh, Mama Yahweh, yo mosungiranga, mosungiranga, ah ah, esaliyo papa, elikiananga, elikiananga, epaina yo, mosungiranga, mosungiranga, esaliyo papa, elikiananga, elikiananga, ah, epaina yo, ayo. Mama toyemelio Yahweh. Mama Yahweh. Ba femme mission banetolio Yahweh. Mama Yahweh. Les femmes à mission te célèbrent Jésus. Mama Yahweh. Les femmes à mission t'adorent Jésus. Mama Yahweh. Les femmes à mission te louent Jésus. Mama Yahweh. Yahweh. Nini mokonzi. Ah, Volo Palata, Volo Palata, Nini Mokonzi, Nini Mokonzi, ah, Volo Palata, Ayo, ah, Zambelanga, Okumama, Kolo Yesu Kumama, Yahweh Nanga, Heba, Heba. Toyembeli yo e kolo Yesu kumama ya wenanga mama kolo Yesu kumama ya. Oh nous te louons Jésus, béni soit ton nom. Jésus béni soit ton nom. Mama kolo Yesu kumama ya. Ba mama banetoli yo e kolo Yesu kumama ya wenanga mama eba eba. Les femmes en action banetoli yo e kolo Yesu kumama ya wenanga kolo Yesu kumama ya we ame ya we kumama ya we mama 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 ya we nanga elika ya motema nanga akasi ya Mama Yahweh, Olo Yesu nanga, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama
Aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même, ah, il est le même hier, aujourd'hui, mon sauveur, il est le même éternellement. Ah, il n'a pas changé, il est l'unique hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même, ah, il est le même. Sauveur, il est le même éternellement. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans la vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux acclamer Jésus. Il est acclamer, le roi. Acclamer, 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 il est acclamer, acclamer. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux crier pour Jésus. Il est le roi. Il est, il est, allez crier. Il est, il est, allez crier. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux sauter pour Jésus. Il est sauter, le roi. Allez sauter, allez sauter. Allez sauter, il allez est sauter. Le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux danser pour Jésus. Il est danser, le roi. Danser, 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 danser. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai.